Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis, ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Condamné Jésus, les grands prêtres affirmaient que celui-ci prétendait être le roi des Juifs. Aussi, tant Hérode que Pilate ont tenté de lui faire avouer ce crime au motif de sa condamnation. Pour insister sur cette accusation, les soldats romains l'ont affublé d'un vêtement pourpre et couronné d'épines. Après la croix, la couronne d'épines du Christ devint l'un des plus populaires symboles de la chrétienté. Qu'est-il advenu de cet objet de dérision, devenu relique de ralliement des croyants ? Le soir, à Paris, se détache au-dessus de la Seine une cathédrale dont la légende a épousé l'histoire de la ville séculaire. Notre-Dame de Paris est probablement la cathédrale dont la silhouette est la plus connue au monde. Elle a été immortalisée par Victor Hugo, mais son histoire est encore plus fantastique que l'histoire qu'elle a inspirée au célèbre poète. Depuis son érection débutée en 1163, Notre-Dame de Paris a été le lieu de ralliement lors des grands moments charnières de l'histoire. C'est le premier vendredi du mois. Et comme à chaque mois, il règne dans la cathédrale Notre-Dame de Paris une fébrilité inhabituelle. Sur l'autel, des préposés voient à la mise en place des accessoires. On apporte bientôt un magnifique reliquaire, doré et orné de pierres précieuses. Il s'agit d'une œuvre réalisée au 19e siècle par l'orfèvre Placide Poussiel-Guruzan. L'objet, qui rappelle vaguement une coupe, est supporté par trois personnages assis sur des trônes. Il y a là Sainte Hélène, mère de Constantin, et aussi en quelque sorte la mère de toutes les reliques du Christ, le roi Baudouin II, dernier empereur latin de Constantinople, et enfin le roi Louis IX, dit Saint-Louis. Le roi des Francs tient d'ailleurs dans ses mains la couronne d'épines. Parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce précieux reliquaire est celui de la Sainte Couronne, celle-là même qu'aurait porté le Christ sur le chemin du Golgotha. À gauche de ce reliquaire qui domine l'autel, deux plus petits reliquaires. L'un contenant un clou de la Passion et l'autre un morceau de la vraie croix. À 15h, la cathédrale Notre-Dame vibre aux échos des Gloria et des Alléluia. C'est le début de la cérémonie de la vénération des saintes reliques. Sur l'autel des hommes, vêtus de longues capes blanches, s'avancent lentement. Leur manteau est orné de 5 croix rouges, une grande et 4 plus petites placées entre les branches. Ces croix symbolisent les 5 plaies du Christ. 2 dans les poignets, 2 dans les pieds et une autre au côté. Ces dignitaires représentent la confrérie de l'ordre des chevaliers du Saint-Sépulcre, un ordre chevaleresque remontant aux croisades.
Enfin, au milieu d'eux, un prêtre s'approche et débute la célébration liturgique. Malgré la ferveur des fidèles, on sent bien une certaine hâte. L'anticipation de ce moment pour lequel ils sont tous là réunis. Puis enfin, un chevalier apporte un coussin rouge sur lequel on a placé la couronne d'épines. La couronne d'épines est un cercle de joncs réunis en faisceau et retenu par des fils d'or. Elle est conservée dans un cylindre de cristal de roche richement décoré. Ce cylindre est lui-même gardé dans un autre reliquaire circulaire, celui-là en bronze, serti de pierres précieuses. Ce remarquable ensemble est à présent exhibé dans le trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où pour quelques euros, tous les visiteurs peuvent le contempler. Au premier coup d'œil, on est frappé par l'absence d'épines sur la couronne. Un détail plutôt paradoxal pour cette relique. D'où vient-elle ? Est-elle la véritable couronne d'épines décrite par les évangiles ? Donc on a effectivement des empreintes des plantes qui ont été mises dans le linceul de Turin au moment de l'embaumement. Et on a également, semble-t-il, des empreintes des instruments de la Passion. Et ça, on sait que c'était souvent l'usage également de mettre ces objets-là. Et il y a une couronne. Et alors cette couronne serait peut-être celle de la dérision du Christ, qui n'était pas une couronne d'épines. Elle n'avait pas de raison d'être une couronne d'épines au moment où on lui met dans les mains un sceptre de roseau, on le revêt d'une tunique de pourpre, en lui disant « Salut, roi des Juifs », etc., pour se moquer de lui. Et alors ce serait peut-être cette couronne-là. Les textes canoniques ne disent rien à propos de ce que sont devenus les objets de la Passion. Il est possible qu'après la mort du Christ, les apôtres aient récupéré certains objets associés à la vie du Messie. Les premiers témoignages quant à la préservation de la Sainte Couronne remontent à l'an 409. Cette année-là, Saint Paulin, l'évêque de Nole, en France, rapporte avoir vu la couronne d'épines parmi les reliques du mont Sion, à Jérusalem. Un siècle et demi plus tard, Antoine le Martyr raconte lui aussi avoir vu la relique exposée dans la basilique du Sion. Au début du IVe siècle et au cours du IVe siècle, on constate une espèce d'accroissement et vraiment une instauration plus officielle, en tout cas, du culte des martyrs. Pour une raison assez simple, c'est qu'à partir du début du IVe siècle, l'Église est tolérée et qu'à la fin du IVe siècle, sous le règne de Théodose, disons peu avant 400, les choses sont complètement jouées. L'Empire romain est devenu officiellement et en principe totalement, à quelques rétifs près, chrétien. Le résultat est donc que le culte des reliques peut s'exprimer très librement. Cependant, entre le 7e et le 10e siècle, les reliques de Jérusalem sont progressivement transférées à Constantinople, une cité protégée autant par ses murailles gigantesques que par la mer. Dans les royaumes chrétiens d'Europe règne au contraire la division. L'autorité morale de l'Église est sans cesse contestée. La nomination des papes est influencée par les États. L'Église, à cette époque, est en plein mouvement de réforme. L'Église essaie de s'improviser en tant que leader du monde européen à l'époque. Et l'Église, dans ce contexte-là, voit en fait un très bon moyen de promouvoir ses intérêts en unissant toute la chrétienté derrière un projet commun qui est la croisade et qui est un but commun pour tous les chrétiens contre un ennemi extérieur. En 1096, au sein de l'Église, un mouvement va changer le cours de l'histoire. Lorsque Urbain II a fait l'appel à la croisade le 27 novembre 1095, je crois qu'il a surpris un peu tout le monde, les fidèles du moins qui étaient rassemblés à Clermont dans le sud de la France. Les sources de l'époque nous disent que la réaction de la foule a été spontanée et très positive. Et en fait, dans l'espace de quelques mois à peine, on avait déjà des dizaines de milliers de croisés qui se dirigeaient déjà vers la Terre Sainte.
Or, si l'appel d'Urbain II a été si bien reçu, c'est forcément parce qu'il y avait des tensions qui s'accumulaient entre chrétiens et musulmans, et ça tout au long du 11e siècle. Par exemple, il y avait cette perception en Occident que les musulmans empiétaient de plus en plus sur les territoires des chrétiens. En l'occurrence ici, les Turcs, qui, pendant vers la fin du 11e siècle, avaient déjà conquis à peu près la moitié de l'Empire byzantin. Donc, l'Église tire profit un peu de cet antagonisme entre occidentaux et musulmans à son propre profit. La première croisade change la donne à la fois pour l'Église et pour les royaumes chrétiens. Eh bien, il faut comprendre que la première croisade a été un succès retentissant. Elle s'est terminée par la prise de Jérusalem en 1099 et l'établissement d'États latins, d'États chrétiens en Orient. Et pour ceux qui ont participé à cette croisade-là, bien évidemment, les bénéfices ont été multiples. Évidemment, ils ont tiré un grand prestige, de grandes richesses aussi, et un triomphe spirituel aussi de cette expédition-là. Pour les seigneurs féodaux, donc la noblesse, les attraits, les bénéfices étaient sans doute davantage matériels parce que, bon, c'est ça qui les intéresse, eux. Donc, ils ont évidemment conquis des richesses inestimables en Orient. Ils ont réussi à s'accaparer de vastes territoires aux dépens, évidemment, des musulmans qu'ils ont conquis. Les paysans, le commun des mortels, bien, les attraits, les avantages de cette croisade étaient sans doute davantage spirituels. Ils ont l'impression d'avoir réalisé l'œuvre de Dieu. Ils ont l'impression d'avoir pris un rôle actif dans un rôle divin, mais aussi tout l'aspect symbolique de pouvoir dire que dorénavant, ils peuvent prier et pleurer sur les lieux qui ont été les fondements de leur religion, qu'ils peuvent fouler le même sol que Jésus-Christ a foulé avant eux, qu'ils ont accès aussi, un accès plus tangible aux endroits et aux objets relatifs à la passion, à la vie, à la résurrection de Jésus-Christ, notamment à travers les reliques. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que les bénéfices se sont multiples à plusieurs niveaux. Ensuite, bien, on a l'Église aussi qui tire un grand profit des croisades parce que l'Église avait voulu démontrer son rôle en tant que leader du monde européen avec les croisades. Et l'Église, dans ce contexte-ci, bien évidemment, est victorieuse à la suite des croisades. L'Église, en fait, on dit aujourd'hui qu'elle est triomphante après la première croisade. Les croisades vont bientôt provoquer la création d'un nouvel ordre religieux, les Templiers. L'ordre des Chevaliers du Temple fut d'abord un groupe de 9 croyants dirigés par Hugues de Payen se rendant à Jérusalem. Au 12e siècle, ces chevaliers offraient leur protection aux pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte. L'ordre des Templiers fut fondé par un vétéran de la première croisade, un chevalier nommé Hugues de Payen avec 8 compagnons qui ont senti le besoin de se réunir et de patrouiller les routes de pèlerinage qui se rendaient jusqu'à Jérusalem. Mais avec le temps, cet ordre-là va étendre un peu sa vocation militaire au point de devenir une armée permanente en Terre Sainte, qui avait pour objectif de défendre la Terre Sainte et de mener la lutte contre l'infidèle musulman. En 1202, le pape Innocent III en appelle d'une 4e croisade contre les infidèles, mais sous des augures beaucoup moins favorables. La 4e croisade est en quelque sorte le mouton noir des 8 croisades officielles des 12e et 13e siècles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans son idéal premier, une croisade doit être menée contre des musulmans ou des ennemis de la foi chrétienne. Et en théorie, en aucun cas, elle ne doit verser le sang d'autres chrétiens. Or, c'est justement ce que va faire la 4e croisade. Elle va verser le sang de d'autres chrétiens. Les croisés devaient voyager par bateau pour d'abord se rendre sur les côtes égyptiennes, d'où ils partaient pour marcher jusqu'à Jérusalem. Ils s'embarquaient donc d'abord à Venise, puisque seuls les Vénitiens possédaient une flotte suffisante de navires. Mais les croisés n'avaient pas suffisamment d'argent pour payer vivres et navires.
Un prince de Constantinople, voulant rétablir son père sur le trône, proposa aux croisés beaucoup d'or en échange de leur soutien militaire. Cette offre divisa les croisés, mais finalement, pour pouvoir rembourser les Vénitiens, les croisés firent voile jusqu'à Constantinople, où effectivement, ils renversèrent l'usurpateur et rétablirent le père du prince sur le trône. Sauf que lorsque le prince devient empereur, il est assassiné à son tour par un autre prétendant impérial. Et ce nouvel empereur, cet usurpateur, fait part aux croisés, dit aux croisés qu'il n'a pas l'intention de respecter les engagements de son prédécesseur, donc ils ne leur donneront pas la récompense que son prédécesseur avait promis. Donc les croisés, fâchés, frustrés, et en raison d'un concours de circonstances, finalement décident d'aller se servir eux-mêmes, vont attaquer la ville de Constantinople et le 12 avril 1204, l'inimaginable se produit. La ville de Constantinople, elle est capturée par les croisés et évidemment, bien, ça va être un événement qui va être lourd de conséquences pour bien les années à venir. En 1204, Constantinople, la ville jamais conquise en 1000 ans, tombe. Il faut comprendre que Constantinople était une ville merveilleuse au Moyen Âge, une ville onirique, une des plus grandes villes du monde chrétien qui regorgeait de richesses et de merveilles de toutes sortes, mais qui regorgeait aussi de reliques. Ces reliques-là, en fait, la tradition des reliques à Constantinople remontait à Sainte Hélène, qui était en fait la mère de l'empereur Constantin, celui qui avait fondé Constantinople. Et les reliques qu'elle avait trouvées de son vivant, la plupart avaient été logées dans la ville de Constantinople. Puis au fil des siècles, bien, on continue à accumuler les reliques et à trouver des reliques et à les transférer à Constantinople, étant donné la présence continue de l'Empire byzantin en Orient. Alors, ces reliques-là s'accumulent de façon exponentielle au fil des siècles, essentiellement parce que la ville de Constantinople demeure inviolée pendant presque 1000 ans. Pendant presque 1000 ans, la ville de Constantinople n'est jamais conquise par une armée étrangère en raison d'un système de défense exemplaire qui fait en sorte que, évidemment, la ville n'est jamais dépouillée de ses richesses. Or, lorsque les croisés capturent Constantinople en 1204, je crois qu'ils ont été aussi surpris que les Byzantins. En fait, l'inimaginable venait de se produire, mais assez rapidement, la surprise fait place aux réalités de la guerre. Les sources de l'époque nous racontent, nous disent qu'il y a eu des atrocités qui ont été commises lors du saccage de la ville de Constantinople, massacre des habitants, viol des habitants. La ville est pillée de ses richesses, profanation des églises, mais pire encore, profanation des reliques qui se trouvaient à l'intérieur des palais impériaux et à l'intérieur des principales églises de la ville. Les Templiers, cette riche et puissante milice religieuse, se sont rangés derrière leurs alliés latins. Quiconque entrait dans l'ordre des Templiers faisait don à l'ordre de tous ses biens personnels. Avec l'accumulation de ses richesses, les Templiers ont en quelque sorte créé le premier système bancaire européen. Quiconque voulait mettre de l'argent à l'abri, prêter de l'argent ou en emprunter, faisait affaire avec les Templiers qui inspiraient confiance, étant après tout des moines. Les Templiers étaient de bons chrétiens intègres et se montraient dignes de la plus grande confiance. Ils ont aussi inventé d'une certaine manière les chèques de voyage. Un pèlerin pouvait par exemple déposer des fonds auprès des Templiers en France, se rendre à un avant-poste Templier près de Jérusalem et y retirer une somme équivalente en présentant simplement un billet contenant un code secret connu seulement des chevaliers du Temple. Puisque l'Église était alors très riche, même le pape déposait des sommes importantes chez les Templiers. L'ordre du Temple contrôlait donc des sommes fabuleuses dans toute l'Europe. Qui dit richesse dit puissance. Or, leur puissance va devenir telle en Europe que les Templiers vont commencer à inquiéter certains souverains occidentaux parce que leur pouvoir semblait rivaliser avec le leur. La fortune de cet ordre n'est rien face au trésor de la foi qui s'offre bientôt à eux.
les chrétiens latins ont pris possession de Constantinople. Les Byzantins, pour leur part, c'est une expérience qui, bon, à leurs yeux, a été humiliante, traumatisante. Et même encore aujourd'hui, dans le monde orthodoxe, la quatrième croisade évoque encore un vif ressentiment en raison des crimes et des horreurs qui ont été commises. Mais les Byzantins se révoltent. Menacé de l'intérieur, le roi nommé par les chrétiens doit financer la défense de sa nouvelle autorité. Alors, les empereurs latins qui dominent dorénavant sur la ville dominent une ville qui est un sombre souvenir de ce qu'elle avait été autrefois. C'est une coquille vide qui a été dépouillée essentiellement de toutes ses richesses. Sauf quelques reliques que les empereurs latins ont réussi à garder auprès d'eux avant qu'elles ne soient éparpillées à travers l'Europe comme toutes les autres. Or, les derniers, avant que les Byzantins ne réussissent à reprendre leur capitale en 1261, l'un des derniers empereurs latins de Constantinople, qui se nommait Baudouin II, devait financer ses guerres contre les Byzantins pour essayer de sauver son empire, a décidé de faire un emprunt d'argent à des banquiers vénitiens. Il a emprunté une forte somme d'argent à des banquiers vénitiens pour financer sa lutte contre les Byzantins. Et, bon, les banquiers vénitiens lui fournissent ce montant, sauf qu'il demande une garantie. Il demande un gage sur la dette et l'empereur Baudouin II décide de leur fournir une des reliques qui n'avait pas été pillée à Constantinople en 1204 et qui se trouvait à être la Sainte Couronne, donc la couronne d'épines que le Christ avait portée durant la Passion. Venise, la cité des doges, se trouve sur une lagune donnant sur la mer Adriatique. La ville est l'une des plus visitées d'Europe. En fait, les touristes y sont si nombreux qu'il est difficile de circuler le long de ses canaux ou sur la célèbre place Saint-Marc. Rien n'y a pratiquement changé depuis les croisades. Venise, la Sérénissime, était alors puissante et riche. Sur la grande place Saint-Marc, face au palais des Doges, ambassadeurs et négociants transigeaient des fortunes. Le rôle de ces banquiers allait, le 4 septembre 1238, jouer un rôle dans l'échange d'un objet de très grande valeur. La Sainte Couronne. La couronne d'épines est donc transférée de la chapelle palatine du phare de Constantinople au palais des Doges à Venise. Mais la couronne n'arrivera pas seule. Le roi de France, Louis IX, également connu sous le surnom de Saint-Louis, décide qu'il veut se faire l'acquéreur de cette sainte relique. Donc, il approche l'empereur Baudouin II et les Vénitiens et signifie son intérêt d'acheter la relique pour une forte somme, l'équivalent d'environ 13 000 pièces d'or. Donc, finalement, on s'entend sur la somme et en 1239, la Sainte Couronne est rapportée à Paris, où elle fait une entrée solennelle avec le roi et quelques proches de la famille royale. En 1239, Saint-Louis, pieds nus, dépose la Sainte Couronne sur le parvis de Notre-Dame. Les actes de dévotion du roi sont bien connus de tous ses sujets. Né en 1214 à Poissy, Louis IX est le fils de Louis VIII, dit Louis le Lion, et de Blanche de Castille, couple royal à la piété légendaire. Saint-Louis est probablement l'un des grands rois de France du Moyen Âge, il n'est pas le seul, et il a eu les honneurs de la sainteté pour un certain nombre de raisons. Sa piété personnelle n'est évidemment pas à mettre en cause, et dans la mesure où il a été vraiment ce qu'on peut appeler un roi très chrétien, les reliques avaient pour lui une importance fondamentale. Il a régné longtemps, Saint-Louis, il a régné presque 44 ans, de 1226 à 1270. Et tout au long de ses longues années de règne, il a fait une quasi-obsession du salut de son âme, de faire des actes de piété, et aussi de se montrer comme étant le souverain chrétien par excellence. Et pour ce faire, Saint-Louis a fait plusieurs actes de dévotion. Puis bon, les exemples sont multiples. Par exemple, les dimanches, Saint-Louis descendait à tous les dimanches dans les rues de Paris pour laver les pieds des lépreux, donc acte de dévotion important à l'époque. Il a dirigé deux croisades, donc ce que nous, on connaît aujourd'hui comme étant les 7e et 8e croisades. Et autre acte de piété que fait Saint-Louis, c'est qu'il commence aussi à acheter des reliques. Et il achète beaucoup de reliques, qui à l'époque étaient vues comme un acte de dévotion.
Louis IX est aussi un roi bâtisseur. Il aime le travail dans la fraternité des chantiers qu'il visite régulièrement. Il demande à ce que les tombeaux de la nécropole royale de la basilique Saint-Denis soient personnalisés par des gisants aux traits des défunts. Une commande qui va faire de la basilique Saint-Denis la plus spectaculaire nécropole royale d'Europe. En 1248, il inaugure la Sainte-Chapelle à Paris. Une église qui se veut en quelque sorte un reliquaire géant, un repositoire uniquement dédié à cette relique, puis bon, à quelques autres reliques aussi qu'il va acquérir au fil des années. Et évidemment, cette église-là, elle prend le nom de Sainte-Chapelle. Elle est construite sur l'île de la Cité à Paris, se trouve à quelques pas à peine de la cathédrale Notre-Dame. Et la Sainte-Couronne va rester dans la Sainte-Chapelle jusqu'à la Révolution française. Les reliques acquises par Saint-Louis vont donc rester à la Sainte-Chapelle, enfermées d'ailleurs dans ce qu'on appelle la grande châsse de la Sainte-Chapelle, qui, au-dessus de l'autel, sur une tribune, exaltait dans un immense reliquaire, une grande vitrine en quelque sorte, qu'on ouvrait de temps en temps pour montrer l'intérieur, jusqu'à la Révolution. En fait, juste avant la Révolution, Louis XVI avait déjà un tout petit peu, non pas menacé l'existence des reliques, mais menacé l'existence de la Sainte-Chapelle elle-même, qui coûtait fort cher en entretien. Et le roi avait déjà soutenu l'idée, éventuellement, de transporter toutes les reliques à Saint-Denis. Mais la couronne d'épines qu'a rapportée Saint-Louis à Paris ne porte aucune épine. Curieux pour une telle relique du Christ. L'absence d'épines de la Sainte-Couronne est généralement attribuée à la grande générosité du roi de France. Le souverain aurait fait don de tellement d'épines de la Sainte-Couronne que la relique en a été totalement dépouillée. J'ai essayé de retrouver quelques-unes d'entre elles. La plus célèbre, à cause d'un miracle qui lui fut attribué en 1626, avait été cédée à l'abbaye de Port-Royal des Champs, près de Paris. Mais aujourd'hui, de l'abbaye, il ne reste à peu près rien. Et on ignore ce qui est advenu de l'épine miraculeuse. Une seconde épine est à Toulouse. La basilique Saint-Sernin se dresse au cœur des vieux quartiers de Toulouse. Construite entre le XIVe et le XVIe siècle, elle est la plus célèbre, la plus vaste et la plus belle église romane de tout le midi de la France. Derrière le maître-autel, les fidèles accèdent à un déambulatoire. Ce passage en demi-cercle situé tout au bout de l'église est si caractéristique de l'art roman. Nous entrons ici dans le tour des corps saints, par la porte même qu'empruntaient les pèlerins à l'époque médiévale. Et effectivement, dans ce tour des corps saints, nous avons des reliques de beaucoup de saints qui étaient vénérés au Moyen Âge et deux cryptes où sont conservés les corps les plus saints et qui est le sanctuaire de la basilique. Mais pourquoi Saint-Sernin ? Saint-Sernin, c'est le nom de Saint-Saturnin en langue occitane, Sansarni, et cette église a été construite pour vénérer le corps de Saint-Sernin, premier évêque de Toulouse, qui a été martyrisé vers l'an 250, à l'époque de l'empereur Dèce. L'un des murs du déambulatoire accueille de nombreux reliquaires. Sur le mur opposé aux châsses, des portes donnent accès aux cryptes. C'est aujourd'hui la plus grande église romane de la chrétienté, et elle a été construite à la fin du XIe siècle pour accueillir les foules de pèlerins qui augmentaient, puisque Toulouse est sur une des voies qui mène à Compostelle, la voie d'Arles, qui prend le nom de Via Tolosana, la route toulousaine. Et les pèlerins étaient extrêmement nombreux à venir vénérer Saint-Sernin et tous les corps saints et toutes les reliques étaient conservées ici. On ne peut pas comprendre d'ailleurs la foi médiévale sans comprendre le sens du pèlerinage, le sens du culte des saints qui était vraiment au cœur de la foi de nos pères. C'est là que se trouvent les trésors les plus précieux de la basilique. Les visiteurs peuvent y contempler un magnifique reliquaire de la vraie croix, une œuvre en cuivre émaillé datant du XIIe siècle. Et enfin, un reliquaire contenant l'une des épines de la Sainte Couronne.
la relique de la Sainte Épine a été conservée, elle. Et au XIXe siècle, on a commandé à des orfèvres toulousains un nouveau reliquaire pour honorer cette relique insigne. Et ce reliquaire, vous le voyez, est représenté sous la forme d'une tour, un dôme en bronze doré et en cristal, qui abrite un autre reliquaire en argent, qui, lui, a été fait par un des grands orfèvres toulousains, Sanson, au XIXe siècle, donc. À l'intérieur, une petite ampoule en or et en cristal conserve donc cette relique de la Sainte Épine. La relique est un don d'Alphonse de Poitiers, dernier comte de Toulouse, qu'il obtint de son frère, le roi Louis IX, dit Saint-Louis, en 1251. La Sainte Épine, protégée par un tube de cristal, a été placée dans un reliquaire représentant un petit temple encadré par deux anges adolescents portant la Sainte Lance et la Sainte Éponge. Ce reliquaire a plus tard été placé dans une plus grande châsse de forme octogonale en cuivre doré, ouvrage de Poussiel Geruzan. Mais pendant la Révolution française, on a non seulement perdu beaucoup de ce qui était conservé comme relique, mais surtout on a détruit des quantités d'œuvres d'art qui étaient essentiellement des reliquaires, des statues, des objets liturgiques, qu'on a fondu pour leur valeur d'or ou d'argent. Le trésor de Saint-Sernin pouvait rivaliser avec celui de Venise aujourd'hui, si vous voulez. Deux autres épines de la couronne de Saint-Louis sont maintenant à Rome, dans l'église de la Sainte-Croix de Jérusalem, qui doit son nom à deux reliques de la vraie croix. Mais la chapelle des reliques ne contient pas que des fragments de la croix. Il y a aussi un morceau du pilier de la flagellation, un clou de la passion, et enfin, deux épines de la Sainte Couronne. Les épines ont été une donation d'une famille d'Anjou, en France, et elles viennent de la Sainte Chapelle, où était exposée la Sainte Couronne d'épines. Ces ronces sont de type Acacia selvatica. Les épines sont longues de 9 cm. Le chercheur David Avinoam, un hébreu spécialiste de la botanique et des sciences naturelles, affirme que ce sont des épines très dures, très résistantes et flexibles, abondantes sur le territoire d'Israël. Elles poussaient partout. Et les soldats ont pris ces branches pour en tresser une couronne sur la tête de Jésus. Certaines de ces épines pouvaient pénétrer partiellement dans la tête, et s'il y avait une plaie ouverte, elles pouvaient même s'y loger entièrement. Ces trois épines-ci sont des fragments. La plus longue fait à peine la longueur d'un doigt recourbé. Et on y voit même un trou, comme si elle avait déjà été cousue sur une étoffe. Les deux autres sont des fragments, comme le démontrent certains documents anciens archivés ici. Nous ignorons les circonstances exactes entourant l'acquisition de ces saintes épines. Elles sont toutefois identiques à celles de la basilique Saint-Sernin de Toulouse en France. Et la tradition les associe sans réserve à la couronne d'épines rachetée par Saint-Louis en 1239. D'autres épines de la Sainte Couronne seraient conservées dans la cathédrale d'Oviedo, ainsi que dans la cathédrale de Barcelone, en Espagne. La Sainte Couronne de Paris et ses nombreuses épines dispersées aux quatre coins de l'Europe sont-elles d'authentiques reliques de la Passion? Difficile à dire. Les plus vénérables reliques sont bien évidemment les reliques de la Passion, comme la croix, les clous, la lance, la couronne d'épines ou encore les vêtements funéraires. Viennent ensuite les reliques liées à la vie du Christ, sa tunique, ses langes, des morceaux de la crèche. Au troisième rang viennent les reliques de la Sainte Famille et des apôtres. Puis enfin, les reliques des saints et des martyrs. Alors les reliques, tout le monde sait que ça signifie reste, sont de diverses natures. Tout d'abord, la première différenciation, c'est qu'il y a des reliques corporelles et les reliques de contact ou représentatives. Alors, les reliques corporelles, c'est évidemment les restes de corps des saints et du Christ et de la Vierge. J'explique aussi de quelle façon. Et ensuite, il y a évidemment les reliques de contact, c'est-à-dire des objets, des vêtements et n'importe quoi qui a été contact avec les saints
de leur vivant ou même après leur mort, donc dans leur tombeau. Dès le IVe siècle, les écrivains chrétiens, par exemple Victris de Rouen et d'autres aussi en Orient, déclarent que même la moindre parcelle des reliques a la même valeur, la même puissance, la même virtus que tout le corps. Mais dans la réalité, évidemment, les fidèles imaginent que un corps tout en entier ou une tête vaut quand même plus pour les miracles que une toute petite parcelle ou des cendres assez négligeables. À travers le Moyen-Âge, toute la ferveur religieuse autour du culte des reliques s'est développée selon cette grille d'importance. Les arrêts des grands pèlerinages étaient déterminés en fonction de ces reliques. Il suffisait pour une église ou une abbaye d'avoir une relique prestigieuse pour voir les pèlerins y faire un détour. Or, qui dit pèlerin, dit obole. Dans cette politique des reliques, on fragmentait des objets de piété, comme les épines de la couronne ou des morceaux de la vraie croix, pour mieux les redistribuer à travers tout un réseau d'églises ou d'abbayes délaissées sur le chemin des pèlerinages. Évidemment, quand on s'intéresse au problème des reliques, on est toujours frappé effectivement par la multiplication, en particulier pour la relique de la croix, des exemplaires et des morceaux ou des fragments. Il y a plusieurs hypothèses et plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a la fragmentation des reliques. Je crois que c'est Théodore de Cyr qui disait que si petit soit le fragment d'une relique d'un saint, de toute façon, il a la même valeur spirituelle pour tout chrétien. Donc, on peut fragmenter, j'allais dire, presque à l'infini, jusqu'au niveau même de la poussière, pourquoi pas. Mais pour le bois de la croix, il est évident que, outre les échardes ou les petits morceaux, on peut, lorsqu'on a un tout petit fragment, le placer, par exemple, au sein d'une croix de bois plus spectaculaire et plus grande. Et quelques décennies ou siècles plus tard, prendre une écharde à son tour de cette monture du bois, qui devient à son tour relique. C'est aussi... alors évidemment, ce n'est plus le bois de la croix en tant que tel, mais c'est par attouchement une relique de la croix. Ainsi, on offrait à ces petites communautés un moyen d'aller chercher un peu d'argent. Et à défaut d'une relique du Christ ou d'un saint, il arrivait parfois que Dieu lui-même y mette son grain de sel, comme ce fut le cas à Faverney, en France. Au nord-ouest de Vesoul, dans le département de la Haute-Saône, se trouve la commune de Faverney. Au XVIIe siècle, une épidémie de sorcellerie s'est développée dans la région. Des registres rédigés entre 1606 et 1636 rapportent au moins 68 procès. Durant cette période, on estime qu'au moins une centaine de personnes, surtout des femmes, ont été condamnées à mort pour sorcellerie. Une paysanne de Faverney, Bénigne Cordier, a été condamnée au bûcher pour avoir pactisé avec le diable. Au cœur de la commune, qui compte environ 1000 habitants, se dresse l'abbaye Notre-Dame. Ses origines se perdent dans l'histoire. C'est entre ses murs que s'est produit le miracle de la Sainte Hostie. En 1608, la vie religieuse à l'abbaye n'est plus ce qu'elle était. L'endroit ne compte plus que 6 religieux et 2 novices, dont l'un, le frère Antoine Hudelot, n'est âgé que de 15 ans. Comme chaque veille de Pentecôte, depuis 4 ans, le sacristain s'affaire en ce 24 mai dans l'église abbatiale Notre-Dame-la-Blanche. Pour éclairer la nuit entière, il place sur le bord de l'autel 2 lampes portées par 2 chandeliers. Quelques heures plus tôt, aux vêpres, le prieur a enfermé à l'intérieur du tabernacle un ostensoir d'argent contenant 2 hosties consacrées. Au milieu de la nuit, le feu embrase la chapelle. La table qui servait d'autel est brûlée aux 2 tiers, le tabernacle dévoré par les flammes. Arrivés en hâte, les moines cherchent l'ostensoir sur les dalles parmi les cendres. Mais où se trouve-t-il donc? Soudain, le jeune Hudelot s'écrie « Il est là !» L'adolescent pointe du doigt l'ostensoir qui flotte littéralement à 2,5 mètres du sol, sans aucun support. De la pure lévitation. Chacun admire le prodige.
Pour l'officialiser, on fait appeler les Capucins de Vesoul à 3 lieues de là. Et on avertit l'archevêque de Besançon. Déjà, les habitants de Faverney et des bourgs voisins envahissent l'église, contemplent et prient. Pendant la journée du lundi, la nuit suivante et le lendemain, les processions se succèdent. Le mardi 27 mai, alors que se tient une messe, les fidèles voient l'ostensoir qui flotte toujours à 2,5 mètres du sol, légèrement incliné, se redresser et descendre doucement sur le corporal déposé sur le sol. Le miracle prend fin. Il aura duré 33 heures. Du jour au lendemain, Faverney se retrouve non pas avec une, mais 2 reliques. 2 hosties plus ou moins noircies, sauvées des flammes par l'expression de la volonté divine. L'affaire fait des jaloux. À Dole, capitale de la comté, le vicomte mailleur de la ville, Jean-Baptiste Alix, demande au nouvel abbé de Faverney, Alphonse Dorémieux, de lui remettre l'une des 2 hosties. Alix explique que les saintes hosties seraient plus en sécurité à Dole, une ville fortifiée, qu'à Faverney, une bourgade mal défendue et exposée aux querelles des protestants. Les archiducs envoient une lettre à l'abbé de Faverney l'enjoignant de remettre l'une des 2 hosties aux autorités de Dole. Mais pendant la Révolution française, le maire de Dole, un dénommé Marchand, emporté par l'ivresse du moment, commet l'impensable. Il avale l'hostie. À Faverney, l'autre hostie échappe in extremis à la folie des révolutionnaires. La relique est sauvée par un citoyen, Claude-François Longchamp, qui réussit à convaincre les pilleurs de ne pas détruire l'hostie miraculeuse. Aujourd'hui, la Sainte Hostie de Faverney est exposée tous les lundis de Pentecôte en souvenir des événements mystérieux qui ont marqué l'histoire de ce petit village de Haute-Saône. Lors de mon passage à Faverney, le maire, M. François Laurent, et les responsables de l'église abbatiale ont bien voulu faire une entorse au règlement en me permettant de voir et de filmer la Sainte Hostie. Le culte des reliques est un peu tombé en désuétude. Et en dehors des Favernéens, bien peu de gens se pressent pour voir la Sainte Hostie. En 1958, cependant, à l'occasion du 350e anniversaire du miracle, on a organisé à Faverney un congrès eucharistique. Quelques 20 000 pèlerins ont fait le voyage pour y assister. Et du coup, voir la Sainte Hostie. Au premier niveau, lorsque l'on pense au culte des reliques, qu'il s'agisse de la Sainte Couronne de Paris, des épines de la Basilique de la Sainte Croix de Jérusalem ou de la Sainte Hostie de Faverney, on a l'impression que le Moyen-Âge n'a été qu'une exploitation mercantile de la foi. C'est un raccourci dangereux. Il y a un point très important, très particulier de la théologie chrétienne. La pensée du christianisme, très tôt, insiste sur la résurrection des corps, la chair, la matière, qui était méprisée par les philosophies orientales, a désormais un rôle dans la religion chrétienne. Et c'est pourquoi les chrétiens essaient de conserver des restes, des parties du corps, des os en particulier, des saints, des personnes qu'ils utilisent comme intercesseurs auprès des dieux, puisqu'ils ont vécu d'une façon héroïque les enseignements du Christ. Et ils ont, ces chrétiens, dans leur piété, est-ce que c'est une piété populaire? Je ne crois pas, puisqu'il y a des très grands savants, des très grands rois qui s'intéressent aussi aux reliques. Ils concentrent toute leur spiritualité, toute leur piété sur le culte de ces reliques. Bien sûr, c'est un moyen pour arriver à Dieu, au Christ, mais à partir de ces éléments corporels des gens qu'ils admirent comme saints. Cette ferveur qui guidait les pèlerins sur le chemin des reliques est la même qui a donné au monde occidental ses plus grands chefs-d'œuvre artistiques. La ferveur religieuse a été l'une des plus puissantes locomotives de l'art sous toutes ses formes. Sur le chemin des reliques, j'ai visité des églises, des basiliques et des cathédrales somptueusement décorées pour être des écrins dignes d'une couronne d'épines du Christ ou d'un morceau de la vraie croix.